réalité de la ZOAD est une réalité d'abord complexe et médiatiquement méconnue. C'est-à-dire sur le plan académique ou sur le plan historique ou sur le plan des recherches n'est pas connue. Au contraire, la ZOAD, sur le plan géographique d'abord, est une région qui s'étend sur une superficie l'équivalent de trois fois, quatre fois la superficie de la France. Direction et de l'autre côté, elle va de la Libye jusqu'à la moitié de la Mauritanie. En englobant bien sûr le nord du Mali, le nord du Niger, et c'est un espace assez vaste, mais il renvoie sur une unité d'abord géographique, parce que c'est la partie, si on veut, la partie la plus riche du désert. Elle va un peu au nord, entre les trois pays du nord, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, donc Gadames, et elle va jusqu'à Tombouctou. Ça, c'est sur le... Je reviendrai bien sûr par la suite sur cette dimension humaine des Touaregs. Et on appelle cette grande région l'Azouar. L'Azouar avec un son ra, GH à la fin, l'Azouak, l'Azouad. Et bien sûr, conventionnellement, les latinistes ont adopté le mot Azouad. Azouad, ça signifiait le pays des Touaregs. Et pourquoi ce mot-là, il revient? Et c'est pourquoi il n'y a pas un autre mot. L'Azouad, c'est par eux-mêmes. D'abord, les Touaregs, ils disent c'est l'Azouad, c'est l'espace un peu bleu. Parce que le mot Azouad dans le berbère, ça signifie bleu. C'est là où il y a suffisamment d'oasis, suffisamment de gisements, de puits d'eau, suffisamment de population sédentaire. Et cet ensemble géographique est habité traditionnellement par les Touaregs. Donc sur le plan économique et compte tenu des éléments que j'ai évoqués brièvement au début, la société Touareg n'est pas une société nomade. Même si par fantasme ou dans les médias, on a tendance à évoquer le Touareg comme un voyageur perché sur le dos d'un chameau que relate et symbolique relaté par les images et par les publicités et par les cartes postales. Pas du tout. La société Touareg est une société qui s'organise autour, sur le plan humain, autour donc d'une dimension un peu tribale, confédérale, tribale, et sur le plan économique, autour de l'exploitation de l'eau, le puits d'eau. Et ce qui explique le long du désert, nous trouvons des paradis qu'on appelle les oasis. Les oasis. Et toute l'organisation de l'oasis correspond ou reflète implicitement la vie de la société touareg. La gestion de l'eau, le partage de l'eau, le partage des récoltes et le reste participe ou contribue à la prospérité de l'oasis. Exemple. Les voyages, les caravanes, le commerce des chameaux, c'est avec, et il a encore une finalité de ramener ce qu'on ne peut pas produire localement. Ce qu'on ne peut pas produire localement, s'il n'est pas dans une logique de vagabond, de celui qui court et qui voyage sans objectif, pas du tout, c'est un commerce organisé, c'est le commerce des caravanes, c'est le moyen de transport le plus efficace dans cet ensemble saharien. L'accession, bien sûr, des pays de la région à l'indépendance, le peuple touareg se trouvait confronté à un problème de
le changement des structures politiques et l'accession de certaines élites au pouvoir, sachant que traditionnellement et avant l'époque coloniale, la dynamique sociétale était imposée par la présence humaine majoritaire des Touaregs. Exemple simple, dans la Zouade au Mali, ou la partie nord du Mali, et ceux qui étaient au pouvoir, dès le plan historique, c'était bien sûr les Touaregs. La France, par l'accession ou par l'indépendance du Mali, a favorisé les Africains, donc les Noirs africains, au pouvoir. Et ces gens-là se sont trouvés, donc, dans une situation radicalement opposée du dominé. Donc, du dominé, pas simplement sur le plan social, mais sur le plan surtout politique, exclu des rouages de l'État et exclu de toute décision politique, ce qui explique depuis 63, soit 92, et aujourd'hui suffisamment de tensions et de conflits, et que aujourd'hui le Touareg l'exprime d'une manière très, très, très visible et très claire. D'un poème Touareg sur la trace de ma trace, hein. Donc c'est le Sahara, le grain de désert, c'est déjà une prophétie pour eux. Oui.